Le jeu que j'ai acheté, c'est Down in Bermuda. Mais, en vrai, comme c'est le jeu que j'attendais pour le Game Pass, là, je m'attendais à ce que ce soit genre un Zelda, je sais pas, tu vois. Alors quand j'ai vu ce que c'était, j'ai fait wesh, mais non. Down Bermuda. Ah, c'est joli. C'est super joli. Par contre, 30 ans plus tard. Mais qui est là? Oh, bonjour, quel plaisir de te rencontrer, j'aurais bien besoin d'un coup de main. Ça fait des années que j'essaie de... C'est très troublant, est-ce que tu peux m'aider? C'est des énigmes en fait, mais je pense que ça passerait mieux avec avec un écran tactile. Non, c'est d'abord lui. Oh, tu as réussi! Ça rame un peu. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, c'est à moi d'appuyer. Ah, tout ce qui est à l'écran, tu peux appuyer dessus. Hey, il y a un truc là derrière. Ça ressemble à un triangle. Il est bien comme jeu, c'est chill en fait. Je suis pas mécontent. C'est le genre de jeu, tu vois, tu peux jouer vite fort en regardant un animé en même temps. Avec la Switch en portable. Et vraiment très joli. Bâillement, ça fait un bail que j'avais pas vu quelqu'un. Bonjour, je m'appelle Milton. Salut Milton. Moi c'est Herman, je suis allé ici faire la sieste. Et je suis resté coincé là-dedans depuis. Tu es donc ici depuis longtemps. Oui, ça fait 563 ans. Et toi, tu étais là depuis tout ce temps, ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un. Je me suis écrasé sur cette île. Enfin, c'est un peu flou. Peux-tu m'aider à m'échapper? Je dois rentrer à la maison. Et bien sûr, puisque tu m'as sauvé, voilà un orbe que je te donne de bon pied. Il faut que je trouve trois orbes. Et avec les trois orbes, ben, pouvoir changer d'île.
D'accord, il faut que je trouve des trucs brillants. Ah oui, d'accord, j'ai compris. D'accord, t'as une carte qui te montre où sont toutes les étoiles. Et normalement, j'en aurais pas besoin. S'il m'en manque deux. Ah ben, on a une là. Là, il y a une clé. On va quand même essayer d'appuyer sur ce truc là. Non, il me manque vraiment un truc. C'est joli pour un jeu en 2D, hein. En 3D. Ouais, en 3D, on dirait de la 2D. Il y en a une derrière les deux flancs de la montagne. Allez, là. Voilà. Le problème, c'est que je sais plus comment on zoome. Ah, c'est un problème. Ça y est, tu as trouvé toutes les orbes. Bon courage et reviens quand tu veux. Ok. Donc en fait, c'est des îles où tu as des énigmes. Île de la base secrète. C'est un Où est Charlie qui cache son nom. Oh, j'ai appuyé sur un poisson ballon, j'ai reçu une hop, une bille. Ah, il y a un truc là. Tu joues toujours à Animal Crossing? Non, plus du tout. Et là, le DLC, j'ai pas du tout aimé. J'y joue jamais. Les nouveautés, elles sont nulles. Il y a une espèce de café que tu vas dedans, mais... J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à mettre des nouveautés intéressantes dans le jeu. Et à chaque fois que je relance, je m'emmerde et mon île, est... mon île, elle est parfaite. J'ai pas envie de la détruire pour la refaire. Ah, il veut que je lui ouvre la barrière. D'accord, en fait, il faut faire dans l'ordre.
Voilà. J'aime bien ce jeu parce que j'aime bien les jeux d'énigmes en fait. Tu vois, j'aime bien les jeux où tu découvres et tout. Par contre, je pense que j'aurais préféré avec l'écran tactile. Parce que là, simuler l'écran tactile avec la manette, c'est pas top. Mais j'avoue qu'il est vachement bien fait. Alors, ah, il y a un bouton en haut. Attends, il y a un levier là. Ça a ouvert un truc. Ah, ça a ouvert une nouvelle. Je vous avoue que ce jeu a un truc de satisfaisant. Je crois que c'est le fait de cliquer sur des trucs. Attends, pourquoi ça fait des carrés? Ah, d'accord, en fait, rond. Carré. Ah oui, d'accord, j'ai récupéré la bouboule. Le truc, c'est qu'il en faut. Il en faut 4. En vrai, je sais pas dans ce jeu comment tu sais ce qu'il y a à faire. C'est trop bizarre. Faut faire une espèce de ligne comme ça, ouais. Et là, tu remets. Mais il est trop bien ce jeu. Elle est où l'orbe? D'accord.
Ah, peut-être sur le... Ça, là. Non, en vrai, c'est un jeu qui est intéressant. Mais je pense pas que c'est un jeu que tu joues en live, tu vois. Comment on zoome? Ah, j'ai trouvé la carte. Et juste à côté, il y a une orbe aussi. Bon, ah, il y a ça. Eh, j'en ai plein à trouver des points. Comment on quitte? Ok, pas mal d'armes Bermuda. Il est à 2 € en ce moment sur Switch.